Bien, salut à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, MicroChiotte serait en train de travailler sur un outil similaire à Spotlight sur macOS. Alors cet outil de recherche, ce serait une espèce de lanceur d'applications, un truc où vous pouvez rechercher des applications par exemple, ou des noms de fichiers, ou même des plugins. Quand je parle de plugins, évidemment, pensez au dictionnaire ou à la calculatrice de Windows 10, la fameuse calculatrice, le calc.exe. On connaît tous celui-là. C'est quand on est en cours qu'on n'a pas sa calculette et qu'on ne veut pas le dire au prof. Du coup, on fait calc.exe sur son ordinateur, quand on prend ses cours avec son ordinateur. Je dis, mais monsieur, j'ai une calculatrice sur mon ordinateur. Et là, tu as le prof qui te regarde. Je vais te chercher une calculatrice au bureau, puis tu vas éteindre ton PC, d'accord? Parce que l'éducation nationale, ils sont encore au 19e siècle. Donc quand ils voient un ordinateur, ils attrapent des boutons. Ouais, il y a aussi l'option règlement de compte dans la vidéo, c'est bien. Pour arriver à ses fins, Microsoft n'a pas... qu'est-ce que j'ai dit là? Microsoft, c'est pas Microsoft, c'est MicroChiotte. Pour arriver à ses fins, MicroChiotte n'a pas hésité à travailler avec... Ah ouais, mais c'est tout fou quand aussi, enfin je veux dire. Alors pour arriver à ses fins, MicroChiotte n'a pas hésité à collaborer avec la communauté en open source, les fameux Insiders, le programme Insider de MicroChiotte. D'ailleurs moi je suis inscrit, hein, mais je m'étais inscrit à l'époque, je sais plus pourquoi, je crois que c'était pour avoir une licence de Windows 10 gratos. Bon, quand on peut gratter un système d'exploitation, c'est bien aussi. Hein. Ah mais je suis désolé, mais 200 balles pour un Windows 10, moi je les mets pas. Hein. Je préfère mettre 200 balles pour un macOS qu'un Windows 10. À bon entendeur, bien sûr. Et ils ont aussi travaillé avec une application qui est déjà très connue, c'est l'application Vox, ou Vox, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est W-O-X, qui fait en fait le même travail que ce que veut faire MicroChiotte, un outil de recherche, d'applications, de fichiers, ce que vous voulez. Cette espèce de lanceur d'application va venir remplacer l'option exécuter que vous activez en faisant Windows plus R, les touches Windows plus R de votre clavier. Et il y a une bêta publique qui est prévue pour le mois de mai, donc ce petit lanceur d'application va être disponible pour tous en bêta à partir du mois de mai. Mais à prendre avec des pincettes, parce que je vous rappelle ce qui se passe en ce moment, hein, il y a le confinement, patati patater, c'est arrivé jusqu'aux États-Unis, on prend ça avec des pincettes, hein, d'accord? Si ça tient pour mai, c'est bien. Voilà. Surtout qu'en mai, je fête mon anniversaire. Hein. Je vais le fêter en confinement. Non, un essai, c'est rien. Et puis, vous savez tout, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir, on a passé la barre des 1000 abonnés, je vous le rappelle, ça c'est extraordinaire. N'oubliez pas également de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, tout est dans la description, et puis quant à moi, j'ai fini, on se revoit la semaine prochaine, dimanche à 18h, comme tous les dimanches à 18h. C'était Seb, over. Non, c'est pas ça. Ciao, ciao.